Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo découverte, donc c'est déjà la 10e et on va donc découvrir The Crown of Wu, la couronne de Wu. Donc on avait déjà fait un premier jeu donc relatif à l'histoire du roi singe dans les découvertes, notamment avec un vieux jeu donc sur PS4 qui s'appelait Monkey King. Là, on est sur un jeu donc plus actuel, donc qui est sorti en début d'année 2023. Il a été édité par Meridian Games. Et donc, c'est un petit jeu d'aventure avec des petites plateformes, énigmes et tout ça, dans lequel on va incarner donc le roi singe qui est donc à la recherche de la couronne qui a été donc dérobée par Zou. Et donc on va essayer d'avancer dans l'histoire et pour ce faire on va pouvoir donc maîtriser, donc petit à petit on va apprendre à maîtriser les différents éléments, donc à savoir le feu, l'eau, la foudre, le vent ou la terre ou un truc comme ça, donc les quatre éléments principaux. Voilà, ben j'espère en tout cas que cette vidéo vous donnera envie de découvrir le jeu, voire de le redécouvrir si vous le connaissez déjà. Moi en tout cas je ne l'ai jamais fait. Et j'avais envie de vous le faire découvrir donc tout en même temps que moi. Voilà. Alors, mode de jeu marionnette pour ceux qui aiment relever les défis. Bon, on va démarrer là-dessus. C'est ça le héros de l'histoire là? T'es vilain, hein? Alors, ce gardien est à court d'énergie depuis longtemps. Lire le monolithe. Pour ses crimes, il a été un jour piégé et puni pour rester emprisonné dans une solution qui maintiendrait en vie presque conscient mais immobile, lui permettant de penser à ses péchés et à sa culpabilité. Alors, sauter, attention au trou. Ok, c'est un peu futuriste quand même pour une histoire censée se passer il y a des années, des milliers d'années de cela dans les dynasties chinoises. Alors, de nombreuses années ont passé, le monde que tu connaissais est tombé en disgrâce. Un de ces tectons. Ouvrir le menu. Ennemi. D'accord. Trésor, relique, vase, pièce de monnaie, flyer, coquille, technologie, feuille. Ouais. Inventaire. Alors, arme créée par l'empereur lui-même pour le gardien du royaume, ouais, le bâton du roi singe. Le bras exclusivement pour vous, une prouesse technologique capable de contrôler les cristaux d'énergie. Et le tecton construit pour le contrôle des minéraux, mais il s'avère être, on a découvert qu'il pouvait être utilisé pour la communication sur de grandes distances. D'accord. Ah. Déjà, on ne peut pas passer. Ah non, c'est là. Lovely.
le sprint L3. Tenir pour saisir. Pour s'agripper, ça, non? Bon, les déplacements, ils font pas rêver. Hein. Ok. Ah, c'est ma barre d'endus, ça. D'accord. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, l'énergie éolienne. D'accord, qui sert à quoi? Impulsion d'air. Ah, c'est pour un double saut, quoi. Oh merde, d'accord, ok. Eh hey, merde. Ouah, comme je te dis, genre les déplacements dans ce jeu, ah, franchement, c'est pas. C'est pas fluide, hein. Mais pourquoi il s'arrête en plein milieu? Dépenser de l'énergie pour récupérer de la santé. D'accord. Je peux me soigner aussi. Mais non! 2 heures, je lui ai demandé de sauter, mais qu'il saute pas. Bon. Souffler de l'air qui sert à quoi? Oh là, oh là, oh là.
Ok. Non. C'est quoi ça, va se fermer? Mais putain, tu demandes de courir, il court pas le mec. Pas trop l'intérêt de là-bas du coup. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, bouge! Ah! Une double moyenne. Oh non, pour de vrai. Qu'est-ce que c'est ça encore? Pas intérêt à te le prendre ça, parce que je sens qu'il va pas passer un bon moment. Okay, ce par là. Ah, nouveau piédestal. Alors, une fois libéré, il sait qu'il doit récupérer la couronne et rétablir l'ordre naturel à tout prix en combattant la vie et la mort, ceux qui s'opposent à sa progression. Vous devez récupérer la couronne de Wu. D'accord, bon, mais ça, de toute façon, on le savait déjà, il n'y a pas besoin de monolithe pour nous le dire. L3 rond, courir, glisser.
D'accord, ok. Solo, Trinity, solo. Ah, ça va faire tourner la structure. Non, ça disparaît, on va attendre un peu. C'est quoi cette merde? Bah vas-y toi. Oh là, il fallait pas bouger, ouais. C'est quoi ça? Ah, une carapace. Ok, mais par contre, comment je fais pour grimper sur la partie au-dessus là? Waouh. Eh non, putain! Ouais, c'est bon, on gagne du temps. On n'a pas le temps, hein. Ah. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il est plus résistant, plus costaud, c'est ça? Il va falloir utiliser les sorts de vent pour lui faire péter sa protection. Ah, ça doit être un truc avec ça, non? Bon, j'ai pris une couche mort. Peut-être il faut le pousser dans... Ouais, ça, je pense qu'il faut le pousser dans le champ, là. C'est quoi ça, tenir? Qu'est-ce que c'est ce truc? Aïe 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 aïe, vire. Ah mais ah. Ça a l'air chiant comme combat, ça. Inintéressant en plus.
Quoi, pas assez de mana encore? Oh, c'est une blague. Échappé est à la prison. Bon, quand tu veux. Ok, d'accord. Alors, on est sorti de la prison. Soi-disant, on est arrivé dans un nouvel endroit. L'entrée des grottes ancestrales qui mène à la grande cité de Shul. D'accord. Quoi? Oh, mais attends, il y a tout qui tourne là. Comment c'est lequel est le bon? Ah, il doit y avoir un symbole à quelque part, non? Un truc qui doit nous aider. Allez, même chose des quatre côtés. Ouh putain. D'accord, ok. Ah! D'accord, d'accord. Donc, une barre. Trois barres ouvertes, une longue barre, une barre ouverte. Voilà, sur la statue, il y a un genre de médaillon, mais je sais pas si c'est ça. Une barre ouverte, une barre fermée, une barre ouverte. Du coup, ça serait celui d'en bas, là, c'est ça? Ça serait ça. Logique, si c'est le même symbole que sur le médaillon, c'est ça. Ouvert, fermé, ouvert. Ouais, ça. Ouvert, fermé, ouvert. Ouvert, fermé, ouvert.
Est-ce qu'il y aurait autre chose que j'aurais raté à quelque part? Ouais, par logique, il devrait y avoir un truc qui tire de là. Ah là, il y a fermé, ouvert, ouvert. Ouvert, fermé, ouvert. D'accord. Oula, attends. fermé, ouvert, 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 fermé, ouvert. Au début, c'est fermé, trop ouvert, un fermé, un ouvert. Donc, ça serait fermé, ouvert, ouvert. Ouvert, fermé, ouvert. Donc, ça serait... Non, c'est pas celui-là. Ça serait celui-là. Fermé, ouvert, ouvert. Fermé, ouvert. C'est ce que j'ai dit, non? Fermé, ouvert, ouvert. Ouvert, fermé, ouvert. Ouvert, fermé, ouvert. Fermé, ouvert, ouvert. Ouais, c'est bon, celui-là, il est bon. Sélectionner. D'accord, donc celui-là il est bon. Celui-là. Ouais, celui-là, à part celui du médaillon, je vois pas d'autre là. Non, alors c'est pas ça. Déjà, il y a un truc sur le médaillon ici, ça c'est sûr. Donc celui-là, il doit être bon. Est-ce qu'il y a un truc au niveau du cul? Non. Dans le fion, tu vois. Non, non, ça. Alors, putain. Oh là là. Non. Il y a un truc là. Alors, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, ouvert. Ouvert, fermé, ouvert. Alors, déjà, on va faire ça. Alors, ouvert, fermé, ouvert. Non, de l'autre côté, merci. Non, je me suis trompé. Et après, c'est ouvert, fermé, ouvert. Non, c'est pas ça. Non, c'est fermé. Alors, ouvert, fermé, ouvert. Fermé, ouvert, ouvert. Soit c'est dans ce sens, soit c'est dans l'autre, hein, donc... Alors ça doit être dans l'autre sens. Ça doit être ça. Mais non, attends, il y a un problème là. C'est tombé de où ça? Alors, ouvert, fermé, ouvert. Fermé, ouvert, ouvert, on dirait. Ah, je vois rien d'autre, hein, de toute façon. Hein. Ouvert, fermé, ouvert. Alors, ouvert, fermé, ouvert. Et en dernier, c'est fermé, ouvert, ouvert.
Alors, il y a quelque chose que je dois mal faire, mais je comprends pas où il est en tout cas. Celui-là, pareil, il doit y avoir une plaque à quelque part qui doit te dire. Putain, elle est là, la plaque. Putain. Fermé, fermé, ouvert, ouvert. Et après, je sais pas. Fermé, ouvert, ouvert. Oula, oula, oula. Calme-toi. Alors, on dit fermé, ouvert. Alors, fermé, fermé, ouvert, ouvert. Alors. Alors, fermé, fermé, ouvert, ouvert. Et le problème, c'est qu'à la fin... Donc, c'est pas celui-là. Ça peut être celui-là. Ça peut être que des ouverts. Et enfin, du coup, il me manque le dernier. Sauf que là, je sais pas en réalité dans quel sens ça va. J'ai l'impression que le haut, c'est la partie qui est là, là. Ouvert, fermé. Ah, après les derniers, tu vois, ça peut juste être effacé et au final tu n'en sais rien quoi. Celui-là c'est sûr que c'est ouvert, fermé, ouvert, ça c'est sûr. On va essayer. Alors, ouvert, fermé, ouvert. Alors, ouvert, fermé, ouvert. Non. Il y a le premier, c'est une barre pleine. Je tente au pif, hein. La première, c'est une barre pleine. Plus. Non, celui-là, j'ai du mal un peu.
Qu'est-ce qu'on a là? Ouvert, ouvert, fermé. Et ouvert, fermé, ouvert. Je sais pas, pourtant je croyais l'avoir déjà essayé plusieurs fois celui-là, mais... Ok. Il y a encore ces trucs qui disparaissent là. Allez, banco. Et voilà, ben du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Au final, ce que moi j'en ai pensé, ben franchement, je suis un peu déçu. Pour un jeu basé donc sur l'histoire du roi singe et toute l'histoire telle qu'on le connaît, le récit tel qu'on le connaît, ben le résultat ne me sied guère. Ce côté, voilà, un peu futuriste avec ses mouvements assez lents, assez qui manque de fluidité, ben c'est pas du tout ce que j'aime retrouver dans une aventure comme celle du roi singe. Voilà, moi j'ai ce côté, on va dire, un peu du récit, un peu mystique, avec ce côté un peu kung-fu, cet art de combat, on va dire, un peu plus fluide, ces déplacements un peu plus intéressants et un peu plus travaillés. Là, c'est vrai que le jeu n'est pas très très qualitatif. Les déplacements sont très lents, le système de combat très mou, la barre d'endurance, bon, ça elle se vide assez rapidement, mais je veux dire, il n'y a pas d'enchaînement particulier. Les coups de bâton, ben, c'est toujours un peu pareil, genre vous faites tourner un peu votre arme autour, mais il n'y a pas de mouvement particulier qui te donne l'impression d'utiliser genre un bâton de combat comme on pourrait le voir dans des arts martiaux japonais ou des trucs comme ça. Je veux dire, c'est vraiment genre le mec, il arrive, clac, il tape, sur un bâton ou n'importe quoi d'autre. Je pense que ça aurait fait la même chose, je veux dire, alors que le bâton du roi singe, je veux dire, il a quand même des pouvoirs différents, je veux dire, il peut se transformer, il peut s'étendre, il peut se rétrécir. Je veux dire, voilà, donc c'est vrai que ça manque de beaucoup de choses comme ça, un peu liées tout à la mystique de ce personnage fantastique. Le côté un peu futuriste, pareil, je suis pas fan du tout. Les déplacements, c'est pas fou. Les sauts, pareil, c'est pas extraordinaire, c'est pas opti. Franchement, voilà, le jeu, à part un peu le côté énigme qui peut être un peu intéressant, mais franchement, si c'est que ça, au final, ouais, je trouve que voilà, ce qui est un peu dommage, c'est les mouvements et le système de combat qui rendent le jeu pas agréable du tout, quoi. Et c'est ça qui en fait un jeu. Qui en fait un jeu moyen. Et pour un jeu donc de 2023, comme on dit, une image vaut mieux que des fois que 1000 mots. Tenez cadeau. Voilà, je suis caché, on voit plus. Manque complet de collision, ouais. Là franchement, alors là c'est pire, hein. Là tu tombes là, mais alors là ton personnage il a complètement disparu. Voilà, et là tu meurs. N'importe quoi. Voilà, ben, en tout cas, j'espère que vous aurez quand même apprécié ben, ce petit moment donc, à ma compagnie. Je vous dis à la prochaine donc, sur la chaîne pour la suite donc, des let's play que nous sommes en train de faire. Donc, il y aura d'autres petits jeux également donc, qui sortiront sur la chaîne, aussi bien en let's play qu'en découverte. Et je vous dis du coup à la prochaine. Sur ce, ciao ciao !